Yeah, man. My goal already, man. And hold on. Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube. Et je suis bien content de vous annoncer qu'on va lancer notre YouTube channel après beaucoup de réflexions avec l'équipe en entier. Donc, ce qu'on va faire sur la chaîne YouTube, on a réservé plein de surprises, bon, concernant les voitures même. Et pour la première vidéo, on a réservé une grosse surprise. Elle est derrière moi, mais je vais laisser Warren nous expliquer un peu plus sur la voiture. Donc, pourquoi la chaîne YouTube? On a fait un poll récemment sur Instagram et on a eu 580 personnes qui ont dit de lancer la YouTube channel. Et c'est pour ça qu'on va lancer. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. On est super excités de vous présenter ce nouveau projet qu'on a travaillé pendant plusieurs mois. Donc, comme Arthur vous l'a dit, derrière nous, on a la toute première Instagram sur les Boris. C'est la toute nouvelle et la toute première Porsche électrique ever made. Donc on est super excités de l'avoir dans notre garage ici. Et nous de notre côté, ce qu'on va faire sur la voiture, c'est un full front PPF qui est la protection externe avant sur la voiture et le reste de la voiture will be fully ceramic coated. Donc stay tuned. More than just a pretty face. So girl, you better walk away. Oh yeah, oh yeah. Blue pair. Whoa, no. Si on a un capot, le capot est là, donc tout ça c'est en excès, alors il faut enlever tout ce qui est en excès. Bon, vu que le film c'est un film transparent, c'est vraiment difficile de voir les nez et les courbes des pièces de la voiture. Donc on s'en sert d'une lumière de Slam Grip, un LED spécial, pour pouvoir voir les nez. Là c'est plus facile d'enlever le travail et faire en quelques secondes. Someone who can handle me. Someone cut your heart to be. Oh, yeah, oh, yeah. Bon, là on a toutes les pièces qui ont déjà été découpées par la machine. On a déjà enlevé tout le surplus de film qu'il y avait. Comme vous voyez là, c'est une grosse pièce. Ça c'est le capot de la Taycan. Là vous avez les roues, vous avez les rétroviseurs, etc. Maintenant il y a mon équipe qui va procéder avec l'application sur la Taycan. C'est ça la PP. I'm gonna give you some closure before you know it, it's over. So run away, run away. I'm not trying to hurt you, but I will if I have to. I'ma tell you what I do. Run away, run away. Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me for my heart, are you gonna get these battle scars? Baby, I'm a tiger, 20 steps ahead. Baby, I'm a viper, one bite. From my heart, are you gonna get these battle scars? Maybe I'm a fighter, never backing down. Maybe I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me from my heart, are you gonna get these battle scars? Maybe I'm a tiger, 20 steps ahead. Maybe I'm a viper, gonna bite your head. So if you're gonna fight me from my heart, are you gonna get these battle scars? Voilà, comme on a l'équipe qui est en train de faire le final step sur la voiture. On vient de terminer avec la PPF, le full front PPF et le ceramic coating sur le reste de la voiture. On a mal sur le circuit des jambes et je ne pas qu'il s'occupe de la carrosserie. On peut voir la voiture un peu plus shiny.
carbone, on a ça, on a PPF. Donc maintenant, là, on va se protéger naturellement contre tous les substituts verts pour la PPF et la céramique dans le niveau hydrophobique. Few moments later. Obviously a very different car to the Lambo. In the Lambo, V10, old school, manual gearbox, very brutal, raw. You can, you know, the sound is just fantastic, the smell of the oil and things like that. Very, very different. Performance, this is faster than the Lambo, definitely. And when you look at this, this is refinement. Now that it's high tech, it's the future, obviously. The quality, the high definition screens, you can toggle different driving modes. On the steering wheel, obviously. Look at that interior. Look at the immaculate leather. I mean, it's just, it screams of luxury. And, you know, you can park the sound inside the car and externally as well, so you don't run over people, obviously. Definitely a good advantage. So to me, no, it's very impressive, you know. And it just, like you said, it's the future. You know, some countries are going to legislate in 10 years' time, whenever they're not going to sell any more petrol or combustion engine cars. So this is the way things are going to go. And for a four-seater sedan, it really looks good. It does. It does. Donc, la Taycan est donc terminée. On a déjà fait le final check-up avec la voiture. On attend juste que Porsche vienne pour prendre la nouvelle. Bonjour, donc je suis Romain Baiuti, représentant Porsche à Maurice, et je suis ici pour vous présenter le Taycan 4S, la 100% électrique sportive de Porsche, le premier véhicule développé par Porsche 100% électrique. Ce véhicule donc, a été développé par Porsche depuis quelques années et offre des sensations de conduite qui sont totalement phénoménales. La réactivité électrique mélangée au développement Porsche fait qu'on est sur un véhicule de sport fonctionnel qui est typiquement dans l'ADN de Porsche. Ici, vous avez vraiment une ligne qui est totalement moderne et qui nous fait rentrer vraiment dans le futur avec cette technologie AirCurtain qui permet effectivement qui cache ses entrées d'air latérales et ainsi que ces feux de LED 4 points qui sont la signature visuelle de Porsche. On reconnaît également toute cette ligne, la ligne qui est la même et qui est vraiment typique d'une Porsche qui fait qu'on est vraiment dans l'esprit, dans l'ADN de la marque. Si on passe à l'intérieur maintenant, Porsche nous fait effectivement faire un bond dans le futur au niveau du véhicule avec des écrans LCD qui fait que le véhicule est aussi simple à utiliser que votre propre smartphone. Ce véhicule, cette voiture, c'est une sportive fonctionnelle qui va vous procurer des sensations absolument phénoménales et inconnues de tout ce que vous maîtrisez déjà au niveau de l'automobile.